pensais du sermon du curé, toi? Hyper cliché. Repose en paix. Car la vie ne dure qu'un instant, alors que l'amour pour les défunts est éternel. Et ta sœur, ouais. Elle a pas pu venir. T'aurais dit quoi comme texte, toi? Toi qui es dans ta caisse en bois, j'espère que t'en as bien profité, parce que ça y est, c'est fini. Maintenant, tu vas faire des afters en sous-sol avec tes potes gothiques et bouffer des racines avec les vers de terre. Puis là-dessus, au lieu de balancer de la fumée qui fait tousser, j'aurais mis un peu d'encens de chez Nature et Découverte, parce qu'à mon avis, ça va sentir enfermé là-dedans. Moi, je trouve que c'est beau quand tout le monde dit amen. Moi, je dis qu'ils se foutent de notre gueule. Amen, alléluia, c'est poussiéreux. C'est comme leur costume, ça manque de stylisme. Un drap avec un trou et un ruban blanc. Avec le fric qu'on leur donne, ils pourraient se payer un rollercoaster. Avec le fric qu'ils se font quand ils font la quête, avec leur tête de roumain triste, on leur en lâche du liquide. J'en suis sûr que c'est du black. Ils déclareraient aux impôts. T'as raison. Ils risquent rien. Ils seront pas contrôlés. Ils sont protégés par le Seigneur. C'est vrai. Je vois mal un mec des impôts se ramener en disant « Bonjour monsieur le curé, ça fait 5 ans que vous faites des fausses déclarations sur les recettes de la quête, donc on va vous saisir l'église, les cierges et stock de stille. » En plus, on se les gêne dans ces églises. Ça va que c'est le mec d'une copine, hein, sinon je serais pas venue. Ce matin, j'avais mon cours de body pump. Il a pas eu de bol. Mourir à 37 ans, en s'étouffant avec un chamallow. Je sais pas si tu sais, mais il m'avait dragué comme un fou le jour des fiançailles de Marlène. Oh, le salaud! Il en était à sa 5e coupe de champagne. Et là, il me dit, Karine, depuis que tu t'es fait défriser les cheveux, je te trouve hyper sexy. Il t'a pas dragué. Il t'a fait un compliment, c'est tout. Attends, il avait sa main sur mon cul quand même. T'as raison. Il t'a dragué,